On aurait bien voulu avoir une communication complète du rapport pour pouvoir être à même de, au moins de le lire intégralement et de pouvoir formuler, si vous voulez, des interrogations, des interpellations un peu ciblées sur le plan technique. Ça ne sera pas le cas, hein, parce qu'on nous impose un peu le fonctionnement du carcan de la procédure pénale, qui est que le juge fait ce qu'il veut. On vient d'essuyer quand même un refus de délivrance des informations des boîtes noires en tant que partie au procès, en tant que partie civile, au surplus l'association qui est quand même qui a un statut quand même institutionnel d'après le code de procédure civile pénale. Donc on nous a refusé ça avec j'espère l'idée qu'on va nous délivrer tout ce qu'on a demandé à la foulée de cette réunion. L'association a en son sein des gens qui ont une capacité d'analyser. C'est fait, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, de très grande valeur jusqu'à présent. Et l'expérience montre, dans d'autres dossiers, que c'est utile. C'est utile de ne pas laisser le monopole de la recherche de la vérité à des experts, fussent-ils experts et fussent-ils experts judiciaires. Vous avez votre voiture, s'il vous plaît.